rôle du documentaire, c'est ce rôle de catalyseur avec un auteur, un réalisateur qui ont une écriture et toute une équipe qui sont derrière pour porter ce projet à partir d'un élément, d'une intuition de base. Moi, je dis toujours pour le documentaire, ce qui est important, c'est la note d'intention de l'auteur, du réalisateur. Quand je lis un dossier, c'est toujours ce que je lis en premier. Qu'est-ce qu'il veut me raconter? Comment il va me le raconter? Ça, pour moi, c'est ce qui est le plus important. Et c'est à partir de là qu'on va construire l'histoire, qu'on va construire, qu'on va décliner le réel pour en faire un film. Quand j'ai commencé à faire du documentaire, j'ai fait du documentaire politique parce que j'étais très intéressé par ces questions politiques et aussi en termes de sens, j'étais très intéressé par la construction européenne. Moi, j'ai toujours été curieux du monde dans lequel je vis. Je pense que tous les gens dans notre profession sont curieux du monde dans lequel on est. On est curieux de personnages et curieux de rencontres et d'essayer de comprendre comment tout cela s'articule, se décline dans une société déterminée. Moi, ce que j'ai voulu comprendre toujours, c'est de comprendre le monde où je suis et de voir quels sont les ressorts, quelles sont les grandes questions qui traversent notre époque. Et avec ça, c'était d'apporter une sorte de réflexion pour donner à ce spectateur la capacité de comprendre et d'aller au-delà du cinéma vérité, au-delà d'une caméra qui est une caméra froide, qui est une caméra passive et qui absorbe comme un buvard l'action et lui remettre en perspective. C'est ce que j'ai toujours voulu faire. Être producteur de documentaires, il y a deux aspects différents. Je dirais qu'il y a un premier aspect qui est, oui, c'est d'évaluer en tout cas les conditions budgétaires dans lesquelles on peut faire le film, l'urgence de faire le film, et puis de trouver les partenaires pour faire ce film. Mais aussi, je pense, un travail encore plus essentiel, c'est un travail d'accompagnement. C'est-à-dire qu'on va essayer d'accompagner un réalisateur pour qu'il réussisse à écrire son film. Il faut que quelqu'un l'aide à tracer la voie. Et je pense que le travail du producteur, il est là, c'est-à-dire l'accompagner d'un point de vue artistique et puis surtout l'aider à trouver les moyens pour que ce film devienne une réalité.